Et cette semaine, dans l'hebdo vidéo, la Nouvelle-Aquitaine et le coronavirus, des stages de e-sport, de la permaculture marine sur l'île de Ré et des alpagas dans le Béarn. Et la une, bien sûr, le coronavirus. La Nouvelle-Aquitaine ne fait pas partie des régions les plus concernées en France, certes, mais la vigilance, bien sûr, est de rigueur. Et c'est à Bordeaux, précisément au CHU, que sont étudiés tous les échantillons suspects détectés dans la région. Une équipe d'une vingtaine de personnes qui fait, bien sûr, un travail essentiel. Écoutez. Nous sommes au laboratoire de virologie qui assure le diagnostic du nouveau coronavirus qui donne le Covid-19 et qui permet de diagnostiquer et de dépister jusqu'à, pour l'instant, une soixantaine de personnes par jour et probablement un peu plus dans les prochains temps. Ce virus étant tout à fait nouveau, on découvre un peu tous les jours de nouvelles informations et nous nous adaptons le plus possible. Concrètement, il me semble que le message le plus important, c'est que nous pensions tous à protéger les personnes potentiellement les plus fragiles, se laver souvent les mains, saluer sans se serrer les mains et en limitant les bises. Et je crois que des gestes aussi simples, se laver les mains à l'eau et savon par exemple, même si on n'a plus de solution hydroalcoolique, ça marche extrêmement bien pour prévenir la transmission d'un nouveau virus à des personnes qui sont plus fragiles que nous. Certains en ont peut-être rêvé, eh bien c'est fait. Stage, jeux vidéo et sport en cette semaine de vacances. Une dizaine de jeunes de 12 à 17 ans ont pu ainsi bénéficier des conseils d'experts de la console dans les locaux de l'Education Gaming School de Mérignac. Si le matin les jeux étaient virtuels, l'après-midi les sports eux étaient bien réels. Tony Molina. Clavier souris pour certains, manette pour d'autres, les yeux rivés sur l'écran devant le jeu vidéo Fortnite. 12 enfants sont actuellement en stage dans les locaux de l'Education Gaming School de Bordeaux. Encadrés par un coach qui est par ailleurs étudiant dans l'établissement bordelais, les jeunes gamers sont attentifs aux conseils. Quand tu descends, fais bien attention de toujours descendre, mais jamais plus bas. Enfin, tu gardes le high. Donc tu descends maximum 2 blocs au-dessus du mec le plus bas. Ils sont tous en train de jouer et essayer de performer sur Fortnite. Et je suis là pour les accompagner et leur donner des conseils. Moi, je m'occupe clairement de l'expérience en jeu, donc, comme pour être un entraîneur au foot. Et voilà, j'essaie de leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent et les faire jouer ensemble. Il y a aussi une partie où ils doivent s'amuser. En fait, ils sont jeunes, il ne faut pas uniquement tout le temps se concentrer à fond. Ils s'amusent aussi et ça leur plaît bien. S'ils passent de longues heures devant l'écran, les jeunes savent qu'il faut aussi faire du sport. C'est ce que souhaite inculquer la structure française d'e-sport MCES qui est à l'origine de ce stage. En général, pendant la période scolaire, je ne joue pas en semaine parce que le soir, je rentre pour faire mes devoirs. Et je joue le week-end d'après-midi. Je joue le mercredi après-midi et le week-end. Et week-end, je joue le matin. Puis l'après-midi, je vais faire du sport avec mes amis en ville pour compenser. Et puis après, comme ça, le soir, je peux jouer un petit peu après avoir mangé. À un moment, quand on a passé plusieurs heures sur le jeu, on est un peu à bout, on a un peu la tête comme ça. Du coup, sortir, ça fait du bien aussi. Après une matinée devant l'écran, direction le domaine des Girondins de Bordeaux Omnisports. Des séances de relaxation sont prévues en début d'après-midi. Découverte du yoga et de la sophrologie. Ensuite, les jeunes démarrent une séance de sport de 2 heures. Aujourd'hui, au programme boxe et fitness. C'était une volonté particulière avec MCES d'organiser le premier stage e-sport et sport. Et donc du coup, en fait, d'être vraiment dans l'actualité de la société, c'est-à-dire que les jeunes, ils aiment les jeux vidéo, ils aiment les jeux vidéo de compétition. Mais l'idée aussi, c'est qu'on développe le goût de la pratique sportive. Et nous, on a un ensemble d'installations ici sur le domaine de Roqueviel qui nous permet de réaliser ce type de stage. Une première donc qui devrait être renouvelée par MCES. Les infrastructures des Girondins de Bordeaux permettent aux enfants de découvrir de nombreux sports. Voilà, et les vacances, c'était plutôt 100% sport à Bayonne cette fois. Des jeunes enfants ont eu droit à une semaine d'initiation au cirque. Des ateliers proposés aux 4-10 ans par le garage des arts Oreca. Et n'imaginez surtout pas que le cirque, ce ne sont que des galipettes.
ce à quoi on s'attelle, c'est que les enfants ils puissent découvrir et s'initier aux 5 disciplines des arts du cirque, c'est-à-dire l'équilibre sur objet, l'acrobatie, la jonglerie, l'aérien et le jeu d'acteur. L'avantage de notre art à nous, c'est que ces disciplines-là sont complémentaires et donc permettent à chacun, chacune de s'améliorer ou de parfaire selon des atouts, des craintes, etc. Grâce aux disciplines du cirque, à travailler sur le schéma corporel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation des enfants aux autres. C'est la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance aux autres. La permaculture dont on parle tant peut aussi se faire en milieu marin. La preuve, une première en France, dans les marais de l'île de Ré. Deux associés qui développent l'aquaculture multitropique intégrée. Un projet né il y a 4 ans et qui permet d'optimiser la dynamique naturelle des lieux pour la production, notamment de crevettes. Allez, explication tout de suite. L'idée, c'est que l'on nourrit un petit peu la crevette. Elle va manger aussi naturellement sur le marais, notamment dans le fond. Elle va créer des déjections qui vont être ensuite épurées par les microalgues, qui, elles, vont être consommées par les filtreurs. Et ensuite, toutes ces déjections, tous ces nutriments présents dans l'eau vont être finalement épurés en totalité par les macroalgues. Donc ça permet de rejeter une eau à la mer qui est finalement plus propre que lors de l'entrée dans le circuit d'eau. À Malaussanne maintenant, petit village entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, un couple s'est lancé dans l'élevage, vous le voyez, de l'alpaga, ces animaux cracheurs venus d'Amérique du Sud et dont la laine est l'une des plus recherchées dans le monde. Ils ont pour l'instant 7 bêtes, mais ils y souhaiteraient agrandir le troupeau. Ils ont pour cela lancé une cagnotte sur le site Mimosa. Écoutez. Nous avons décidé de créer un élevage d'alpaga. Donc nous avons déjà quelques animaux pour en fait être dans l'idée du développement durable, de récolter leur laine, leur toison chaque année et juste de veiller à leur bien-être et de ne pas abattre les animaux que nous élevons. Alors idéalement une vingtaine d'animaux serait l'idéal pour pouvoir s'en occuper personnellement de chacun. Vous voyez quand même l'épaisseur. Hop. Et encore, ils ont encore 3 mois de course là. Donc on est tombé. Attention. Non, arrêtez. Non, c'est les crachés, ça va être drôle. Non, mais pas sur moi. Je vous le disais, l'alpaga, ça crache. Voilà pour ces initiatives. Rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre hebdo vidéo.